sommaire de cette édition, un culte spécial dirigé par le prophète Aka Charles a eu lieu au ministère Christ en moi de Port-Gentil au Gabon. Les fidèles de l'église évangélique Oméga du Bénin ont vécu de grands moments de louange, d'adoration lors de leur culte d'action de grâce. Mesdames et messieurs, bienvenue sur The Blessing Channel et merci de suivre ce bulletin qui retrace l'essentiel de l'actualité. Un culte spécial dirigé par le prophète Aka Charles a eu lieu au ministère Christ en moi de Port-Gentil au Gabon avec pour invité spécial le prophète des nations Élie. Le thème de cette rencontre était de la prison à la royauté. Au ministère international Christ en moi à Port-Gentil au Gabon, un culte particulier a eu lieu avec un invité, homme de Dieu venu de très loin. Le père de la maison a une fois de plus défié les petits démons qui ne cessent de tourmenter les enfants de Dieu, attesté par les témoignages qui se sont faits avant le début du culte. Puis les moments tant attendus prirent place, le hôte a introduit le prophète des nations, Élie. Le prophète invité a bien voulu remercier le hôte et rappeler le rôle du prophète. Cet homme est une bénédiction pour cette nation. Un prophète est un voyant. Alléluia. Un prophète fait ce qu'on appelle par la voyance. En d'autres termes, c'est le maître des rituels. Puis la prédication proprement dite s'est faite. Le prophète a édifié le peuple sous le thème de la prison à la royauté. La Bible déclare une chose, que Joseph était né avec une destinée royale. Il y a des gens quand ils naissent dans une famille, ils naissent avec une étoile particulière. Nous sommes tous nés dans une même famille, mais nous ne nous ressemblons pas. Nous ne sommes pas pareils. Tel que Dieu a dit de moi que je dois être, ce n'est pas être toi, tu dois être. Je suis L'heure de la prophétie fut arrivée, c'était clair, net et exact. L'homme de la maison n'a pas été épargné. Il y a eu une campagne, je vois une campagne. Les gens y ont en train de faire. Ils ont fait des campagnes, mais là c'est commencé dans ces campagnes. Ils ont saboté ton nom et ils ont parlé de toi. Et ils ont tellement parlé de toi en croyant ta faiblesse. En plus que l'autre, c'est plus que Dieu qui l'aime. Le peuple de Dieu eut un temps de prière, puis la louange pour remercier l'Éternel de ce qui les a sortis de la prison à la royauté. Les temps se sont achevés par le passage à la table du Seigneur, les offrandes quotidiennes et aussi les denrées de première nécessité ont été bénies par le Père de la maison. Écoutons après ces merveilleux moments, le prophète des nations invité. Aujourd'hui, c'était un culte de victoire, un culte de la libération totale, parce qu'il devait sortir de la prison et entrer dans une gloire incroyable. Et le temps de cette gloire a sauté. J'ai dit encore à ceux qui doutent de ce ministère, de cette œuvre, que l'homme de Dieu que tu as établi ici, le prophète Aka Charles, est un homme extraordinaire. Et le hôte. Le fait de faire venir un prophète chez toi te montre quel type d'homme de Dieu que tu es. Avec le travail que nous faisons, chacun à sa grâce. Et je suis content de la présence de cet homme de Dieu, cet grand homme de Dieu qui est venu par mon invitation. Les fidèles de l'église évangélique Oméga du Bénin ont vécu de grands moments de louange, d'adoration et de prédication sous le thème « Louer et adorer le Seigneur ». Ils se sont tous prosternés pour adorer le roi des rois. Ceci à travers le programme des 3 jours de jeûne et de prière dénommé « Louer et adorer le Seigneur ». Un programme conçu pour les fidèles de l'église évangélique Oméga du Bénin. Cette rencontre a pour unique objectif d'offrir au Seigneur un culte digne de louange et d'adoration. Nous voyons que Dieu aime la louange. Dieu adore l'adoration. C'est important que nous, les enfants de Dieu, ce n'est pas tous les jours qu'on va demander « donne-moi, donne-moi, donne-moi ». Et il y a des jours qu'on va prendre pour louer et adorer Dieu parce que lui prend plaisir dans l'adoration et louange. C'est pourquoi nous, les enfants de Oméga, on a fait un programme de 3 jours pour louer et adorer Dieu. Dans le monde des ténèbres, j'ai beaucoup œuvré et je connais l'importance de la louange et de l'adoration dans la vie d'un chrétien. Aujourd'hui, quand Dieu m'a délivré, je veux participer à ce programme
pour que gloire soit rendue sur ma vie à Dieu. Déclaration prophétique, exhortation des différents hommes de Dieu et pour tout couronner, la louange et l'adoration dans son sens réel. Voici les différentes séquences qui ont meublé le premier jour de ce programme. Tout ce qui semble possible dans ta vie, tout ce qui semble quoi jamais que tu peux posséder. Conscient des nombreuses bénédictions réservées aux adorateurs, l'apôtre Clément Tofa et les fidèles de l'église évangélique Omega ont accordé une place du choix à la louange et à l'adoration, car il est écrit que Dieu règne au milieu de l'adoration. L'église Miessi de Yamsokro a organisé la 6e édition de son programme Jeûne d'Esther qui a vu son apothéose ce dimanche 6 septembre 2015 en présence de tous les fidèles. Clôture du Jeûne d'Esther 2015 organisé par la Miessi à Yamsokro. Cette 6e édition a rassemblé plusieurs fidèles et hommes de Dieu venus de différents pays. Un hommage fut rendu au Seigneur à travers des chants de louange et d'adoration. Les serviteurs de Dieu rassemblés en ce lieu ont à tour de rôle fait monter des sujets de prière à notre Seigneur. Seigneur de la vie, le Burkina Faso dans le creux de tes mains. Éternel Dieu, tu as permis qu'elle subsiste jusqu'à présent. C'est toi qui as permis, Dieu, des grâces que cette nation du Burkina soit en paix. Je te prie maintenant au nom de Jésus-Christ. Que sa paix demeure, que sa paix s'agrandisse, que sa paix s'étende au-delà des frontières du Burkina Faso et touche même la sous-région. Gloire soit rendue à Dieu, parce que les œuvres de Satan sont vouées à l'échec. Le pasteur Compaoré Georges a par la suite développé le thème tiré dans le livre de 2 Corinthiens 2, verset 14. Jésus a changé notre cœur. Jésus tient qu'à ton souverain. Que quelqu'un dise Amen. Jésus nous a donné sa vie. Ah, Jésus compte en ma vie. Que quelqu'un dise Amen. Et si nous avons la vie de Jésus, Jésus notre vie chrétienne doit être différente. Alléluia. Amen. On peut vivre dans un monde impie. Un monde où personne ne s'occupe de Dieu et de son œuvre. Selon la doctrine de Paul, ce qui n'a pas là, on peut vivre dans un monde pareil et puis triompher en Jésus-Christ et répandre en Jésus-Christ la Christ Ce moment a été clôturé par la rupture du jeûne d'Esther. Que Dieu vous bénisse. Les fidèles de la mission évangélique de délivrance ont vécu un moment spécial ce lundi 31 août 2015 à Abwaso. Ce moment spécial de louange et de prédication qui avait pour thème Rehoboth, il est temps d'aller au large. Les orateurs étaient le prophète Béni, pasteur principal, et le pasteur Ongoudi Clément.
Faso a été impacté lors d'un programme très important qui a réuni tout le corps de Christ. C'était ce lundi 31 août 2015 à la mission d'évangélisation et de délivrance dirigée par le prophète Béni. Lors de ce programme, le peuple de Dieu a été largement édifié et il a effectué nombreux le déplacement pour communier avec le Saint-Esprit. Le thème était « Rehoboth, il est temps d'aller au large ». Ce programme spécial a été ouvert par des louanges à Dieu et des chants d'adoration. Après ce temps de réjouissance où les fidèles ont agréablement loué le Seigneur, place à la parole de Dieu. Le soin a été laissé au pasteur principal de la mission, le prophète Béni, d'enseigner le peuple de Dieu sur le thème du jour. On écoute la première famille qui eut lieu du temps de son père. La même famille est arrivée dans la vie de Isaac aussi. Vous dites qu'il y a des situations qui vont arriver, cela est déjà arrivé à d'autres personnes. Tu n'es pas la première personne à rencontrer cette situation. Pasteur Ngoudi Clément, invité spécial de ce programme, s'est à son tour adressé au peuple de Dieu dans un moment d'enseignement de la parole de Dieu. Plusieurs fidèles qui sont retournés chez eux, très satisfaits et bénis de ce moment spécial. L'Église Mission Internationale, la puissance de l'Évangile et de la délivrance des âmes, a réuni tous ses fidèles et invités lors de sa deuxième convention ce dimanche 6 septembre 2015 dans la commune d'Abobo. Cette grande cérémonie était placée sous le thème de Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. L'Église MIPED, Mission Internationale de la Puissance de l'Évangile et de la Délivrance des âmes, ont célébré l'Éternel à travers la deuxième convention de la dite mission. Et ce moment spécial s'est tenu ce dimanche 6 août 2015 dans la commune d'Abobo, précisément à Anokwakouté. Cette belle célébration qui a réuni plusieurs fidèles et hommes de Dieu a été un moment particulier pour l'Église MIPED. Et cela se justifie par la présence de l'apôtre Kanga, père spirituel du révérend prophète Samuel Kofi Jérémie, président fondateur du MIPED. Le prophète Samuel Kofi Jérémie a instruit le peuple sur le thème « Jésus-Christ a le même hier, aujourd'hui et éternellement ». Un message profond venu à point. Aujourd'hui, nous avons des difficultés parce que nos parents n'ont pas adoré le chrétien. Nos parents ont adoré, quand vous arrivez chez les parents, le colis, les masques, chez les Yakuba, les Guéré et si bonsoir. Mais aujourd'hui, nous devons nous estimer parce que nous sommes là. L'homme de Dieu a rendu le ministère sous l'onction du Saint-Esprit. L'articulation particulière de ce culte spécial à la suite des moments d'enseignement et de prière était la consécration du président du comité d'organisation, M. Akafungé Sanuel, nommé patriarche de l'Église. Elle est solide. On va plus soigner qu'à ça.
soit incassable. Et que tous ceux qui vont se lever contre toi puissent venir dans la mort de ta brasse et t'envoyer le bonheur de fête. Jésus. Ce culte spécial s'est achevé dans une ambiance fraternelle. Que Dieu vous bénisse. À l'international, de nouveaux bateaux transportant des migrants sont arrivés mercredi sur l'île grecque de Lesbos, un jour après la mise en place d'un nouveau centre pour faciliter les enregistrements. Je viens juste d'arriver. C'était un voyage très difficile, particulièrement pour moi avec mes trois enfants. Nous avons fui la Syrie via la Turquie et j'ai dû travailler en Turquie. C'était dur. Je ne voyais pas d'avenir pour mes enfants. Je veux trouver un endroit où je pourrais vivre en toute dignité, offrir un avenir meilleur à mes enfants, vivre dignement, pas dans un pays où un tyran nous oppresse. Première élection à Singapour depuis la mort du fondateur de la ville d'État, un scrutin dont l'opposition veut profiter pour renforcer son influence encore très faible et ainsi poser des bases d'un système bipartite. C'est une occasion sans précédent pour le principal parti d'opposition de Singapour. Lors des élections de vendredi, il espère doubler le nombre de sièges qu'il occupe au Parlement. Alors, en meeting ou dans les rues, le message est martelé. La cité-État a besoin d'une opposition forte face au PAP, le parti qui dirige le pays depuis sa création, il y a 50 ans. Depuis longtemps, le PAP a une majorité écrasante à Singapour qui lui permet de faire les changements qu'il veut et de voter les lois qu'il veut. Il n'a pas à se soucier de l'avis des électeurs parce qu'il a toujours eu la majorité. Pour le parti au pouvoir, le calcul est simple. Voter pour lui, c'est voter pour la stabilité. Le Premier ministre actuel est d'ailleurs le fils du fondateur de la République, Lee Kuan Yew, à qui le pays doit sa réussite économique. Si on vous demande de voter pour le PAP, croyez-moi, ce n'est pas juste parce que nous nous occuperons bien de vos conseils municipaux. C'est aussi parce que nous gérerons le pays comme il faut. Nous avons l'intention de former le prochain gouvernement pour faire avancer Singapour. Pourtant, tout ne va pas si bien. Les prix de l'immobilier augmentent et les transports urbains sont saturés. Des critiques largement relayées sur les réseaux sociaux, peut-être le signe d'une prise de conscience politique de l'électorat. Je vois un réveil politique des Singapouriens. Les rassemblements sont extrêmement suivis. Les gens discutent des problèmes, les réseaux sociaux en parlent beaucoup également, et même les médias traditionnels en parlent, ce qu'ils n'auraient jamais fait il y a quelques années. Si l'élection semble jouer d'avance avec une victoire annoncée du Premier ministre, c'est son ampleur qui comptera. Chaque siège perdu au profit de l'opposition sera interprété comme un affaiblissement significatif du seul parti à avoir jamais dirigé Singapour. Nous terminons cette édition en sport. L'équipe américaine de rugby participera à la Coupe du Monde en Angleterre. Un défi de taille pour les Américains, loin d'être les favoris, et qui sont dans le même groupe que les poids lourds, que sont l'Afrique du Sud, les Samoa et l'Écosse. 3000 contre 1. C'est l'avis des bookmakers sur les chances de voir les Américains remporter la Coupe du Monde de rugby. Classés 15e au niveau mondial, les États-Unis sont loin d'être les favoris. Mais le niveau monte, selon le capitaine australien, dont la formation vient de battre les Américains en match amical. J'ai vraiment vu des progrès ces 4 dernières années. Ils ont plus de profondeur. Ils ont fait entrer des remplaçants au bon moment. Ils sont vraiment dans une position de force pour faire avancer et faire progresser l'équipe. Ce sera très intéressant de voir comment va se passer cette Coupe du Monde pour eux. Je vais garder un œil sur eux. Contre les Wallabies, les Américains ont réussi à coller au score pendant la première mi-temps avant de s'écrouler et de perdre le match 47 à 10.
Il faut qu'on reste concentré 80 minutes, un match entier. Il ne faut pas que notre concentration retombe. Il faut maintenir la pression sur nos adversaires, en attaque et en défense. Longtemps confidentiel face au football américain, le rugby est le sport qui grandit le plus rapidement aux États-Unis, avec 1,2 million de licenciés. Un succès dû en partie à son retour au programme des JO l'année prochaine, après une absence de plus de 90 ans. Quand j'étais petit, on ne voyait jamais l'équipe américaine à la télé. On n'allait pas au stade. Maintenant, ils ont des matchs super, accessibles à tous. Les joueurs peuvent être des modèles pour les jeunes. Ils représentent le rugby. Ils ont un jeu qui est vraiment enthousiasmant. D'un point de vue sportif, pour cette Coupe du Monde, les Américains espèrent au moins franchir les matchs de poule. Un objectif ambitieux face à un groupe très compétitif. L'Afrique du Sud sera notre adversaire le plus sérieux. Mais on est prêt pour le challenge. Les Samoa, l'Écosse, le Japon, on va se battre. Ils ont intérêt à être prêts. S'ils espèrent rester dans la course, les Américains devront rapidement transformer l'essai. Leur premier adversaire sera la très solide équipe des Samoa. C'est ici que s'achève ce bulletin d'information. Merci de nous avoir suivis. Et nous vous souhaitons une excellente suite de programmes sur The Blessing Channel. À bientôt.